Et bonjour, nous sommes de retour. Nouvel épisode Resident Evil 4. Donc, l'inventaire. On a le Red 9. On a récupéré le Red 9 la dernière fois. On va le vider. Tout simplement, on va le vider. On va pas le recharger. Nous, on reste au Punisher. On n'a pas le car, par contre. On n'a pas le sniper. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Aller à l'église. On doit aller à l'église parce que on a donc... Donc on a ça, mais il y a d'autres choses à faire, je pense. Donc fais voir un peu, donc on a le sanctuaire de la petite grotte, donc ça c'est ça on l'a fait. Donc j'ai bien envie d'aller là. Ouais, j'ai bien envie, habitation lacustre, on va faire ça, on va aller faire ça. Let's go, faut passer, hop ça marche. Ouais, on va faire ça, ça a l'air sympa. On va faire du secondaire et se balader. Le système pour faire le secondaire et tout, honnêtement, il est super cool. Ouais. On va voir si on peut le faire. Après, si on peut pas, ben on enchaînera sur l'histoire principale. Hein. Mais honnêtement, ça m'intéresse. Alors, fais voir. On a... Le canal là, c'est pour faire un aller-retour, ça marche. Donc nous c'est à la prochaine. Y a quoi là? Y a rien. Ponton à droite. Ok, donc là on y est allé ou pas? Là on connaît pas. Hein. Non, si. Si, on connaît. Ouais, mais il y a du monde. Ouais, je crois qu'il m'a vu. Non, attends, on va peut-être le faire silencieux avec. Il a les yeux rouges ou quoi? Enfin. Ça va, il m'a pas vu. Okay, très bien. On utilise le couteau jetable. Alors, on peut en faire des carreaux, c'est vrai. Mais on l'utilise un peu. Pour, parce qu'après on peut le transformer. Mais bon, il faut de toute façon il faut une grande ferraille. Donc pour le moment on n'a pas ça. Bracelet de perles, très bien. Okay. Il est en combien donc... Attends, pourquoi t'es en proie toi? Ah mais non, attendez, je me gourde d'emplacement en fait. Pour moi ça c'était 1, 2, 3, voilà. Genre ça fait 1, 2, 3, 4 comme ça. En fait non, pas du tout. C'est en cercle. Okay. Comme j'ai dit, on va pas le recharger. Ok, là. Ah, il nous faut une petite clé, on n'a pas de petite clé. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trésor à gauche. Oui, on était venu, mais c'était avant qu'il fasse nuit et tout. Ah, c'est où c'est qu'il y avait Louis, je crois. Alors, journal d'un vieil homme. Il y a 3 ans, ma fille bien-aimée s'est éteinte.
peu après avoir donné naissance à son fils. Depuis, le petit garçon a bien grandi. C'est un enfant très curieux et avide d'apprendre. Il essaie même de me suivre quand je sors chasser. Je ne peux pas le quitter des yeux un seul instant. À chaque fois que nous marchons dans la forêt, il me demande de lui raconter des histoires. Il adore Don Quichotte. Il est encore petit, mais c'est un garçon très intelligent et observateur pour son âge. Si nous n'étions pas coincés ici, il aurait pu devenir savant. J'ai été imprudent. J'aurais juré avoir tiré dans la tête de ce loup et pourtant il s'est jeté sur moi. J'ai réussi à retourner à la cabane, mais ma plaie a gonflé et a changé de couleur. Je ne supporte pas de voir mon petit-fils inquiet. Mon corps bouge tout seul et j'entends des voix dans ma tête. Est-ce que je deviens fou? Je ne peux pas mourir et abandonner cet enfant. Seigneur, protège-le. On est bon. Il y a ça là, je sais pas comment... Je sais pas ce que c'est. C'est en plein dans la forêt. Parfait, parfait. Donc il reste plus que le tiroir verrouillé, la porte avec l'insigne aussi. Faire gaffe qu'il y a, ouais, il y a encore des pièges. Ça va, il réagit, mais il est un peu lent des fois, notre Léon. Toujours le fusil à pompe, ouais, mais bon. Oh, grande ferraille, yes. On pourrait l'utiliser maintenant, parce que j'ai peur qu'on le casse au bout d'un moment. C'est quoi ça? Pourquoi des fois c'est vert, des fois c'est... Je comprends pas en fait. Pas grave. Oh. Ah, c'est pas une des randonneuses? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils lui ont mis le symbole, mais on fait le symbole. Ah, on va peut-être trouver le moyen d'y aller. Ça a l'air d'être du gros secondaire là par contre. On va voir. Ça a l'air d'être du gros secondaire. C'est bien. Il y a un truc dans la forêt. Je crois que c'est les randonneuses. Hôtel dans les bois. On peut partir ou pas? Non. Ok, on se casse. C'est un peu bête, il y a vrai.
j'avais pas vu. Donc, attends, c'est où? Comme ça. Ouais. Non, non, c'est complètement bloqué. Ouais. Bon, bah, on se casse. Merde. Oh! Mon Dieu, il y en a combien? On peut tirer à travers les barreaux ou pas? Ouais. Oh mon Dieu, t'imagines... Je viens de tirer sur un barreau, quoi. Ah, la lightbox, elle est vachement bien faite. Putain d'enfoiré. Ok, ça, on ouvre le coffre. On va prendre ça. Ah, j'aurais dû le... Ouais, voilà. Oh mon Dieu. On a que 3 cartouches par contre, ça c'est la merde. Les chiens foutent la merde. Oh la vache. Est-ce que là on peut... Ça c'était une porte fermée. Je sais plus ce qu'il fallait faire là. Petit hôtel, trésor, trésor. On peut peut-être revenir à la ferme. On va devoir marcher quoi. Ouais, on peut refaire le tour et juste se balader jusqu'à l'église en fait. Par contre, honnêtement, si je peux éviter les chiens... Je dis pas non. Il faudrait des... Le sniper. C'est maintenant qu'on en aurait besoin. Bon, moi je dois aller tout à droite. Oh, 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 vache. Bon bah, on avait bien fait de pas couper ce câble. Vous voyez ? Très bien fait. Ah, je peux... pas. Comment tu veux que je revienne? J'aurais bien voulu revenir, moi, là. Bon, bah, je crois qu'il reste plus que l'église. Pour le moment, je crois qu'il reste plus que l'église. Qu'on aille au bateau.
Et là, merde. Putain de merde. Oh, c'est sérieux. Tiens, ça t'apprendra. Ça va. De voir notre vie, ça va. On peut prendre encore un petit coup. Ça... Faudra qu'on utilise le soin avec l'air d'ozone. Bon, go la... Go l'église. Alors, go l'église par là. Il y a un truc là. Genre en hauteur, j'avais cru qu'il y avait un truc lumineux. Genre un bijou. Attends, c'est ici. Merde, c'est pas ici. Non, c'est la carrière, il faut revenir à la carrière. Oh non, ok, d'accord, j'ai compris. Je crois que j'ai compris ce qui va se passer. Alors, faut que je m'arrête. Non, je continue. À droite. Je crois que j'ai compris ce qui va se passer, le retour à la carrière. On va peut-être reprendre le sniper, ça va peut-être nous aider. De la qualité. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Je voudrais vendu. Ouh, 12K. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Une affaire bien conclue. Ah, du coup, le lance-roquette, je pense qu'il serait utile contre le boss qu'on Pourquoi va ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? J'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle arme. Ça pourrait te sauver. Des dimensions plus connectes. Même... J'ai même pas fait gaffe. Alors, fais voir. Coffre. Parfait. Bah du coup, ce que je voulais le prendre à la limite sans... sans viseur, mais en fait, ça passe. Bien, on a pas mal de vie. Bon, les cartouches, on baigne pas dedans non plus, mais ça passe, ça passera. Ça. Non. Let's go, on continue. Mais ouais, je pour ceux qui ont... Par là-bas. Je me demande s'il y a des autres niveaux pour le stand de tir. Mais bon, j'ai envie d'avancer un peu. Mais ouais, pour ceux qui ont fait l'original, vous savez ce qui va se passer. Je pense en tout cas. Ouais. C'est parti. Merde. Gloria a las plagas. T'es qui toi? Putain de merde.
Ah, j'avoue que là, il est... Mais gros... Oh, oh, oh. Oh la vache! Oh les dégâts! Oh les dégâts! Oh les dégâts! Je suis censé faire quoi là? On va juste courir. Go, oh, mêlée! Oh. Oh, ok. Bah, je comprends pourquoi on devrait augmenter les dégâts du couteau maintenant. Cool. Alors, on va voir un peu. Un petit cadeau. Alors, attends, un truc qu'on va faire, c'est ça. On va le virer. On peut utiliser ça, ouais. Un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde. Oh, je sais pas comment on l'esquive. Je sais pas comment on esquive ça. Fais voir un peu comment ça. Ouais, ça remet beaucoup de vie. Oh, c'est classe. Hey, mais c'est le chien. C'est le chien. C'est un loup. Putain de merde. Oh mon dieu, il me défonce la gueule. Fais voir, ça remet aussi plein de vie. Ça tue. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Tu veux m'aider? Parce que je dis pas non. Oh waouh, doucement avec le chien. Oh, oh. Ah non non non. J'aime bien ce que son pelage change. Oh yes. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, merde! F, putain de tarte. Ah là là. Ok. Celui-là. Ah, ok, go. Donc ouais, faut augmenter le couteau en fait. Les dégâts couteau. Et on a les dégâts critiques aussi, ça c'est bien. C'est parfait. Il est résistant. Ouais, je pouvais pas faire grand chose. Yes. Oh putain, ça avait juste une balle en plus. Pas mal. Le combat est fun. Le combat est super fun. Super bien ficelé. Diamant jaune. J'ai failli finir en crêpe. J'avoue là que... Ok. Direction l'église. Ça marche. Le chien est tout... Pardon, le chien est toujours en vie. Hein.
Il est où? J'ai l'impression que ça venait de ce côté, mais je crois que c'est de l'autre côté. Ah, il y a là. Alors, journal de croissance, 6 mois. Ses dents viennent à peine de percer, mais il enfourne tout ce qui se trouve à portée de sa bouche. Il ne peut pas encore marcher, mais il a avalé un chien tout entier. Il est déjà plus grand que moi, mais sa croissance ne semble vouloir s'arrêter. Il commence à être à l'étroit dans la maison communale. Nous l'avons déplacé dans la carrière, mais il continue à grandir. Il est capable de dévorer une vache entière en seulement 3 jours. Il peut brandir notre plus grande pioche comme si ce n'était qu'une brindille. Un des hommes du village a bien failli se faire manger aujourd'hui. Il lui faut plus de nourriture. Il ne nous reste plus que quelques vaches à ce rythme-là. Tout le village va manquer de nourriture. Nous avons demandé de l'aide au château et ils ont endormi. Ils l'ont endormi à l'aide d'une incantation. Espérons qu'il ne se réveille pas de sitôt. Ah, c'est pour ça qu'on l'entendait ronfler. D'accord, ça marche. Et l'incantation, c'est sûrement faite par le mec en rouge là qu'on a vu. Intéressant. J'arrive le chien, laisse-moi prendre tout ce qu'il y a. Le car sans viseur, il est vraiment pas mal aussi. Je l'entends, il est à gauche. Bah. Le chien est mort ou quoi? Enfin, on l'entend piailler. Ah, il est là! Merci, vieux. Merci. Merci, vieux. C'est Sif de Dark Souls. Alors, on fait voir ça. Est-ce qu'on avait un jaune, une herbe jaune? Donc ouais, le couteau est intéressant. Je pense que... C'est vrai que dans l'original, Léon, il avait beaucoup de scènes au couteau. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur ce délire-là quand ils ont fait le 4, l'original, je veux dire. Mais ouais, il y avait beaucoup de combats de scènes au couteau. Donc ouais, il faut qu'on augmente les dégâts du couteau à fond. Genre assez rapidement, je dirais, parce qu'on a augmenté toutes nos armes, là, pour le moment. Et après, faut qu'on garde les dégâts critiques au couteau là. Le comment ça s'appelle? Mince, comment ça s'appelle? Oh. Des babioles là. Des porte-bonheur, voilà, des porte-bonheur. Oh putain de merde. Oh chier, c'est mal. Ouais, ça, ouais. Genre, change de coup critique avec attaque de mêlée. Ça, c'est vraiment utile. Donc ça, on prend pas. Ça, on est bon. Là, il y a le tiroir verrouillé que je voudrais bien récupérer. Oh yes. Il est juste là. Ouais.
Merde. Comment je vais passer devant l'église, moi? Ouais, le car comme ça, honnêtement, j'aime beaucoup. Hein. Genre sans viseur, il est top du top. Hein. Surtout que c'est une visée première personne, ça aide. Hein. Ça aide beaucoup. Bon, allez, on avance. Attendez, peut-être qu'on peut se faire un peu plus de balade ou pas. Ouais, non, ça c'est trop dans le mur. Ouais, peut-être à la ferme, on peut y retourner comme ça, du coup. Mais je pense qu'on va devoir y aller, mais plus tard. Parce que là, il y a le trou dans le mur. Là, c'est avec l'aide d'Ashley, je pense. Et on va sûrement la rencontrer là, alors. J'imagine. Waouh! Ah, c'est... C'est stylé. Ashley Graham, je viens vous aider. Cherchez Ashley, ça marche. Honnêtement, je me rappelle plus vraiment quand on se... Alors, je sais qu'il y a un levier, j'ai vu. Quand est-ce qu'on la, on la trouve, Ashley, dans l'original, je me rappelle plus vraiment. Ah. D'accord. Munition de mitraillette, mais on l'utilise pas. Un bouton bleu. On l'utilise pas, donc ça va nous poser un problème par contre. Ça va nous prendre de la place. Les carreaux, ça aussi, un carreau, il faudrait en virer un. Il faudrait avoir un stack, en fait, de chaque munition, comme j'avais dit la dernière fois. Ah, le puzzle avec les couleurs. Merde. Le puzzle avec les couleurs. On va se voir. Ah. On est bon. Ouais, on est bon. Hop. Ça, c'est pas très dur. Faut juste regarder les formes, surtout au centre, autour des sortes d'ailes. C'est facile. J'ai rien qui traîne. Ashley, vous êtes là? On peut peut-être garder le fusil à pompe. Vu qu'on est au corps à corps. Oh, téléphone. Ce qui écrit quoi? Sigma Gamma Phi. Ah, ça c'est... Ouais. On va sûrement... Ouais, on va la rencontrer là, je suis sûr. Ashley? Ashley Graham, vous êtes là? Laissez-moi! Écoutez! Wow. Calme, Alicia! Je m'appelle Léon.
suis ici sur ordre du président. Ok, super. Léon, rattrape là, tu sais qu'on a ouvert la porte hein, quand même. Hey, c'est dangereux dehors. Il faut que tu m'écoutes. C'est quoi ça? Là-bas. Oh merde. Poursuivez-les. Les agneaux égarés s'enfuient. Ah, lui aussi. Elle aussi, elle est... Offrez-leur d'eau. Elle est contaminée. Le salut. Okay. Bon, c'est le moment où on se casse. Ah, c'était cool. C'était bien cool. Un peu. La fille du président. Ça va, on meurt plus trop maintenant. On fait attention et tout. Mais bon, c'est le truc, c'est les coups. Hein. Quand on se prend des coups, notre vie, elle disparaît. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est trouver la... Le machin, là. Vous savez, la petite poupée, là. D'accord. Ça, je savais pas, ça. Je ne savais point. On avance. Ah, tout fait très mal, hein, dès qu'il nous touche et tout, mais ça va, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ton père me fait confiance. Alors fais-moi confiance, toi aussi, et fais exactement ce que je te dis. Je vais te ramener à la maison. D'accord. D'accord, Léon. J'ai plus de grenades, plus rien. Je suis pas pour combattre, honnêtement. Très bien. Non, merde. Fichons le camp d'ici. Ok. Tiens, ton téléphone, ramasse-le. Fais chier, je venais de l'acheter. Tu venais de l'acheter. Michel. Moi? D'accord. Ouais, merci, dépêche parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Y a pas d'issue. On peut lui donner des ordres. On peut sauter sûrement. Attends, je crois que j'avais vu, c'était contrôle. Attends, qu'est-ce qu'on a eu? Des munitions pour... Ah, on peut en trouver ça? C'est cool. Attends. Non, peut-être après ils vont nous expliquer, parce que ça m'étonnerait qu'ils nous mettent pas de tuto pour elle. Mais quand j'avais regardé les touches là, j'avais vu que... Ça, je crois que ça sert à rien de tuer le rat. J'avais vu que c'était, je crois, contrôle pour la vie. Ah, elle se protège avec la lumière. Ah, c'est pas mal. Bon ben, hein, let's go. C'est mort. T'inquiète, je te rattrape. C'est même pas de la terre, hein. C'est du... Putain, il a des bons genoux hein, quand même, hein, Léon. Ça va aller, Ashley. Et c'est là qu'ils vous mettent un QTE pour la rattraper. Merci. Oh. Alors, du coup, on a deux grenades normales. Je sais même plus quand je les ai récupérées, ces deux-là. Et on a pas mal de flash. Va falloir que je commence à utiliser les flash. Hein.
Kershoir, je suis avec Eglon. Reçu. Elle va bien ? Affirmatif. Bon travail, Condor 1. Un hélico par deck possible. Je t'envoie les coordonnées exactes du point d'extraction. Rends-toi là-bas et qu'il n'arrive rien à Eglon. Compris. Fais vite. Le temps se dégrade. Terminé. Oh, elle me colle. Putain, ça tue. Vraiment, elle colle, quoi. Elle est au point d'extraction. Ça marche. Donc il faut repasser par la place du village et la ferme. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La façon dont le jeu se déroulait, ça a du sens, en fait. Qu'on repasse par là. Comme je le disais, ça va être dangereux. Reste près de moi. D'accord. On peut lui donner des ordres, maintenant ? Peut-être pas encore. Peut-être après ça. Ah, ordre à Ashley, appuyez sur contrôle pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. D'accord. Garder Léon et Ashley proches l'un de l'autre peut s'avérer efficace pour courir au milieu des ennemis. Ça marche. Après ordre à Ashley, appuyez sur contrôle pour demander à Ashley de se rapprocher ou de s'éloigner. Rester à l'écart peut permettre à Ashley d'éviter certaines attaques ennemies. Ok, ça marche, on va faire ça. Éloigne-toi. Ça marche. Alors, je vais voir un peu la carte. Ouais, on n'a plus besoin de rentrer. On va faire ça. Comme ça, c'est fait. Viens. Ok. Je pense qu'on va courir, honnêtement. Est-ce que les mecs peuvent la voir, par contre ? Merde. Fais gaffe, reste derrière moi. Oh putain ! Mais c'est quoi, là ? Aïe, aïe, aïe. Oh la non, mais t'es sérieux, tu me stunlock, là. T'es sérieux, t'es en train de me... complètement me stunlock, en fait. T'es derrière moi, hein. Ah bah bravo. On se casse. Go go go, on avance. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Ça c'est pas J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Ça s'est pas super bien passé, hein, j'avoue que. Rien de plus facile. C'est pas méga bien passé, la sortie. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. On a 7. Ah, on peut acheter un béryl rouge, si on veut. Ah, oh, mon dos me fait souffrir. Reviens quand tu veux. Ça marche, je vais voir un peu ce qu'on a. Ça, c'est des ronds. Diamant jaune. Ah, les jaunes, ils sont plus chers aussi. Ah non, fais voir. On peut faire jaune, bleu, rouge. Ah, mince. Ah. Jaune, bleu, rouge, c'est 1.3. Surtout. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes ? Une affaire bien conclue. Ah, 20K, on va faire une arme maudite. Et voilà, comme tu l'as demandé.
Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Ah, quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Fais bonne route. Est-ce que je peux la laisser là, Ashley? Ça marche. Genre, est-ce qu'elle va venir quand même au bout d'un moment ou pas? Ouais, elle vient quand même, mais elle reste à distance. Parce qu'après, est-ce qu'on peut les assassiner? Bien. Ok. Enfin, je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement, de les assassiner. Éloigne-toi. Attends. Non, merde. On a entendu parler ou quoi? Viens. Bon, allez, on se casse. Ok. Je voudrais aller récupérer, genre, des carreaux et tout ça, mais au final... N'oublie pas qu'arme à feu rime avec je... Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me débarrasser de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Il est très facile à repérer, il ne ressemble à un... Il ne ressemble pas à un chien normal. Éliminer la menace. Waouh, il y en a 8 de Spinel à récupérer. On peut faire une pause? Désolé, ça devra attendre. Tant pis. Oh! Tu peux te bouger? Anigan avait raison pour le temps. Avant, je crois que mes FPS sont en train de disparaître là. Je vais pas pouvoir lui foncer dessus. Reste en arrière. Ok. Wow. Okay. Ah, ils aiment pas le mauvais temps. Par contre, une seconde, mes FPS sont en train de chuter de ouf quand même. Je crois que c'est le mauvais temps. Ouais, ça y est, un peu trop d'effet pour moi. Ok, je fais juste une pause, je vais faire voir les options si je peux pas un peu améliorer ça. Ok, on est de retour. La chouette, franc, j'ai genre mis tout en bas, ça, je tourne dans les 30 FPS. Bon, c'est jouable, hein, c'est juste que pour moi, c'est pas agréable. Mais ouais, non, y a rien qui change, que ça soit en haut ou en bas. C'est juste qu'il y a trop d'effets en fait. Il y a rien qui peut améliorer ça pour le moment. Genre la pluie plus autant d'ennemis, je pense, aux alentours. Ça crée un problème. C'est pas très agréable, mais bon, comme ça. Ok. Oh, oh, attends, il m'a vu. Il m'a vu. Go par là. Ashley, go. Recule. Ah putain! Oh merde, t'es sérieux? Ferme les yeux! Ok, très bien, ça marche.
C'est parfait. Viens. Ok. Un petit cadeau. Tu pourrais prévenir au moins. Bon là ? Non. Il y a encore du monde. Mais arrêtez de faire autant de ha ha ha, c'est juste de la pluie. Hein. C'est la lampe qui bouge. Je crois qu'on a tué tout le monde, ça va. Bon, ça a coûté un peu cher en munitions et bordel. Ouh, plus de... Bonus de création. Très bien. Il y aura un chien aussi dans le village à tuer. Attends, on va garder le fusil à pompe à la main. Ah, les contrôles d'Ashley sont plutôt cool, genre le fait qu'elle reste avec nous et tout. J'aime bien. Je crois qu'elle était quand même vachement chiante dans l'original. Là, pour le moment, ça va. Elle est pas bête. Mais arrêtez de faire des roh-roh, putain, c'est relou. Alors toi. Par ici. Attends. Faut que tu m'ouvres. Ah, je suis un peu déçu là du coup du FPS. J'ai besoin que tu m'ouvres de l'intérieur. Va falloir qu'ils améliorent ça. Ou alors c'est juste mon PC hein, qui arrive pas. Mais... C'est ouvert. Merci. Je t'en dois une. Ben, je crois qu'on a tout récupéré. Alors, par contre, on va juste regarder encore ça. Attention, chien méchant. Manoir du chef du village. Ah, pas la ferme en fait. Manoir du. Maison du chasseur. Manoir du chef du village. Ah, oh, ok. Manoir du chef du village. Du coup, c'est de ce côté-là. Il y a des objets en plus ou pas? Non. Ça, c'est bien parce que même quand on change de zone, si on a récupéré les objets, il n'y a plus rien. Plein de munitions de pistolet. J'entends un gros lot là, comme un collier en fait. Je vais rentrer chez moi. Je sais. Ouais, genre là. Manoir du chef du village. Ah ! On dirait le logo de Disturb. De Disturb. Pas mal. Bon, le machin il vaut 8 spinels, donc j'imagine que ça va être gros. Hein. S'il me faut un twist où il faut tuer le chien qui nous a aidé, genre le loup, je vais pas apprécier. Je crois qu'on avait un tiroir ici, non? En hauteur.
Ah, c'est vrai. Ouais, il y avait ça là. Bien. Ça marche. On lui fait faire tout, tous les trucs qu'on pouvait pas faire. Genre c'est que du secondaire, c'est même pas pour la sauver et tout. Après ça l'aide à... Ça nous aide nous, donc ça l'aide elle aussi. C'est quoi cet endroit? Je sais pas. On visite. Alors, chronique du village. Tous les hommes ont laissé éclater leur joie en voyant le bateau traverser le lac à toute allure. Ce liquide extraordinaire va grandement faciliter le travail des pêcheurs. La forge construite l'an dernier s'est elle aussi fondue dans le paysage. Nos fossiles et nos couteaux brillent comme jamais. Les deux poissons d'eau douce que nous avons reçus récemment mangent de tout et se sont vite reproduits. L'élevage de poissons dans le marais se passe également à merveille. Pendant la journée, j'enseigne l'écriture et le calcul aux enfants. Chaque soir, je dîne avec une famille pour entendre leurs problèmes et les derniers ragots. Le tout sous le toit de cette maison que nous avons construite. Depuis que j'ai ouvert le village sur l'extérieur, nous prospérons et les gens sont plus heureux. Des sourires ont même commencé à apparaître sur leur visage. Un étrange groupe de personnes en robe noire est venu du château et a hissé un drapeau inquiétant avec un symbole ressemblant à une araignée. Après avoir prêché le salut et le pardon, ils nous ont injecté quelque chose qui, d'après eux, nous guérira de la folie. Peut-on leur faire confiance ? C'est elle qui m'a couru dessus. Veille sur ce village à ma place et que des sourires éclairent chacune de tes photos. Photo de l'usine, la forge, tant attendue. 1982. Alors, Chronique du village, volume 1. L'ancien m'a confié le village aujourd'hui. Il m'a dit que je pourrais apprendre mes tâches au fur et à mesure. Je vais commencer par tenir les chroniques du village. Je ne suis pas encore à l'aise avec l'écriture, mais l'ancien m'encourage à continuer. Je vais faire de mon mieux. Il y a un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la cabane au bord du lac. Sa mère a, semble-t-il, rejoint les cieux juste après lui avoir donné naissance. Ah, c'est l'histoire du mec qui s'est fait attaquer par un loup, là. Contrairement à son taciturne de grand-père, c'est un garçon plutôt bavard et plein d'entrain. Aujourd'hui encore, il m'a raconté l'histoire d'un chevalier juché sur un âne. Le grand-père du petit garçon est tombé malade et son état s'aggrave de jour en jour. Son petit-fils est très inquiet, d'autant qu'il se murmure parmi les villageois que le vieil homme serait atteint d'une forme de folie. Alors que je prenais congé, le vieil homme m'a pris à part et m'a dit « Si quelque chose arrive, tu sais quoi faire. » Je n'ai pu que hocher la tête en réponse. C'était une horrible nuit. Tout le monde se tenait autour de la cabane et la regardait partir en fumée. Le garçon observait la scène sans dire un mot, sans bouger d'un pouce, même une fois l'aube venue. Le jour suivant, il n'était plus là. Donc ils ont mis le feu. Un appareil photo ancien. C'est quoi? C'est la caméra obscura? Famille Navarro, 1980. C'est ça, c'est, du coup. Ah mais oui, mais attends. Bon, je crois qu'on a tout. Chien méchant, il doit être sous... Peut-être sous la maison. Quête cette histoire de chien, moi. Ok, ça on avait tout fait. Hein. Attends. Ouais. Non mais...
suis aveugle ou... Il est où ton chien méchant? Ah. Marrant, il n'y a plus le symbole. Oh! Et ouais, il n'y a plus le... Le bruit de la clochette, appareil photo ancien, il est bien entretenu. Donc ouais, d'accord, le chien bouge. Donc il est retourné au village. Enfin, il est allé au village, ça marche, on y va. Fais gaffe où on marche. Merde, je peux pas passer. Ah. C'est un chien. Aziz. Merci. Il est là. Fais chier. J'imagine que c'est lui hein, qu'on poursuit, oui. Il est mort? Non, il est pas mort. Cible neutralisée. Ouh, vache. Oh, le machin quoi. En plus jouer à 35 FPS honnêtement c'est pas le fun. Je vais être honnête, c'est pas le plus fun. Ça me fait un peu chier. On peut le manger ça. Oui on peut le manger. Oh. On va retourner voir le marchand parce que je voudrais acheter le petit laser là. Enfin, je sais pas en fait. Si c'est le meilleur, mais ouais, je voudrais bien le petit laser. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein? Pas mal du tout, l'ami. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La crosse, on l'utilise pas pour le moment. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. Pointeur, laser, fusil, acquisition des cibles. Ah, ça, c'est une valeur sûre. J'espère. Un coup... Et voilà. Comme tu la demandes. Reviens quand tu veux. Ah, le laser, il faut le garder. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on va garder le serpent. Grenade aveuglante x2. Je crois qu'on va garder le serpent si jamais on doit manger. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 de soins. Si on a utilisé tous nos... Okay. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça honnêtement, mais bon.
En théorie, c'est beaucoup plus précis. Non, en théorie, ça devrait être beaucoup plus précis. On n'a plus le... Je crois qu'on n'a plus l'effet de... Genre où la balle, elle peut un peu aller à droite ou à gauche du curseur. Je crois qu'on n'a plus de ça maintenant. Donc ça devrait être bien. Oh, vivement qu'on se casse. J'espère que tout le jeu va pas être comme ça. Parce que jouer à 30 FPS, c'est pas fort. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas passer. Ah, mais les grelots, c'est pas le chien en fait. C'est par là qu'on veut aller. Oh. J'entends des gens qui prient encore. C'est par là-bas. Ouais, faut passer la ferme. Ça marche. C'est pas possible, je vais me réveiller. On va faire des carreaux avec le couteau de cuisine. On va l'utiliser pour le moment. Éloigne-toi. Ok. Tu sais ce que ça veut dire, éloigne-toi ? C'est bien. Ok, couteau de cuisine, ça va. Ouais, quand on fait des attaques comme ça pour se défendre, on les casse là, quasiment instantanément. On va encore attendre, on peut prendre des... Oh la vache de ta mère. Je suis bloqué. C'est vraiment pourri. Viens. Ok. Ok, grande ferraille, ça c'est bien. Il est rentré avec nous.
Je crois qu'il y avait un tiroir à ma droite. Par contre, faudrait se faire lui. Pas trop près. Ça marche. Il y a l'autre qui se balade, je crois. Oh putain, on l'a cassé direct, oh la vache. On y va. Ok. Cogno. Oh merde. Ah, c'est pas... Les balles, ça va vite, hein. Les balles, ça va vite. Ça va très vite, même. Encore une pipe. Ok, on a encore... On a beaucoup de munitions de pistolet. Après, c'est une bonne chose. Oh là, ok. C'est une bonne chose, on peut... Pousse-toi, putain, je vois rien du tout. On peut les revendre au pire, si on a besoin. C'est quoi que j'ai équipé, le... Oui, le normal, le gros. Tous les coups, je vais attraper un ruine. C'est possible. Ah, il s'est posté là, lui, maintenant. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Collier de perles. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Alors, modifier. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. J'ai plein de choses intéressantes. S'il te reste des choses à... Le problème avec lui qui parle autant, en fait, c'est parce qu'on n'arrête pas de le couper. Du coup, c'est pas très fun, en fait. Parce que les conversations, elles s'arrêtent en plein milieu, comme ça. Bon, par contre, les munitions... Est-ce qu'on a de la place, hein, au final? Pas des masses. Alors, on pourrait faire des munitions de fusil à pompe. Ça fera de la place. À faire, tu ferais bien... Ah merde, c'est 12, j'ai rien dit. On peut faire des munitions de fusil par contre. T'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Tu crois pas? Tu peux me lâcher la grappe. Ah, c'est la maison qu'on pouvait pas aller. Se passe. Hey, par ici. Ah ouais, c'est bien ce que j'entendais, ils arrivaient sur la droite en fait. Allez. Bon ben, encore heureux qu'on n'a pas vendu les munitions. Écoute, pour tout à l'heure... Ouais, parlons-en. Hey, je vois que t'as retrouvé ta señorita. La señorita a un prénom et c'est Ashley. Et vous êtes? Moi, c'est Luis. Encantado. Super.
Les présentations sont faites. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fous ici? Très bonne question, malheureusement. Cache-toi, vite. Dans ce cas... Viens, aide-moi. Ashley, dépêche-toi. Par ici. Allez. Et nous, on peut pas y aller aussi? Ah non, c'est sûrement un renforcement, en fait. Oh! Planche de bois. On va devoir se taper toute une horde. Et comme si ça suffisait pas, y'a que des monstres en face. T'as fini de t'échauffer? Ok, attends. Ah, ça, c'est, ça me rappelle Resident Evil 2 Remake. Non, c'est bon! Ouais, tant plus tu l'as fait, mais on est prêt. Attends-toi! Merci hein, pour l'aide, hein. Putain de con. Hein. Merci pour l'aide. Mais non, je peux pas en faire, putain. J'ai encore plein de munitions de pistolet. On va juste bourrer le pistolet au max. Je m'en occupe. Ok, bien joué. Tu caches bien ton jeu. Oh mon dieu, ne touche pas. Comment on fait? Ouais mais tu m'aides pas gros, tu m'aides vraiment pas. Putain, je suis obligé de prendre ça je crois. Dégage. Fais attention. Tout ce qu'il y a... Attends, qu'est-ce qu'il me reste comme... Ok, on a ça. Un petit cadeau. Ok, nickel, nickel. Ça nous fera un peu... Ok, durer. C'est bon pour celle-là. Merde. Oh mon dieu. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Dégage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ils vont venir par l'échelle. À toi de jouer. Je m'en occupe. Viens avec moi, Lucas. Allez. Go. Oh mon dieu, non mais... Trop bien. Il y en a partout. Attention les yeux. Ça, on a 10-10. Okay.
terrible. Je crois qu'on a un gros problème. Je suis un peu occupé là. Que vont penser nos amis? Je les accueille avec le sourire, non? Des carnages de trucs. On se débrouille pas très bien, honnêtement. Je vais te prendre. On se débrouille vraiment pas bien. C'est marrant, je suis bloqué. Là on est. Je peux faire grenade. Attends, je peux faire ça et grenade. Ouais, j'ai merdé. Ce qu'on va faire, c'est les carreaux explosifs. Parce que les carreaux, dans ma tête, c'était pas très puissant et c'est lent. Mais en fait, les carreaux explosifs, ça va vachement aider. Devoir se taper toute une horde. Et comme si ça suffisait pas, y'a des monstres en face. T'as fini de t'échauffer? Les étirements, c'est bon? Ouais. Il manque plus que tu la fermes. On a tout l'inventaire qu'on avait. C'est vrai. Détends-toi. Très très vénère. Putain, il m'a fait peur ce con. Mais putain, mais tu fous rien, toi, c'est ouf, quoi. Non, mais c'est toi, hein. Non, mais c'est toi. Genre, y a zéro soutien. Je veux pas dire, mais. Y a zéro soutien. Ouais, moi, je me mets dans les escaliers, j'attends qu'ils montent et je leur tire dessus au fur et à mesure. On va devoir se taper toute une horde. Ah là là. Et comme si ça suffisait pas, y a que des monstres en face. T'as fini de t'échauffer? Et c'est immense, c'est bon? Ouais. Il manque plus que tu la fermes, mais on est prêt. Par contre, il y avait un moment des. D'autres. Comment ça s'appelle? Des barricades en fait, qui sont venues mais après. Oh la vache. Tu t'en occupes, hein. Non, non, tu te débrouilles. Viens m'aider. Oh, putain. J'ai besoin d'un coup de main. Faut que je l'aide en plus, sans déconner. Quoi. Attends, parce que là on a. Non, on n'a pas. On peut faire des mines. On va faire des mines contre l'autre, on va les défoncer, on va le défoncer à la mine. Oh,
Tire-lui dessus. Ok, c'est bon pour celle-là. T'es sérieux? Regarde pas! Dégage. Ok, on a tué celui-là qui avait le... la tentacule là, avec en un coup. Vraiment du monde. Par contre, le fusil à pompe qui est vide, ça me pose problème. Pourquoi je peux pas en faire? Il en faut 12. Là on est dans la merde. Oh mon dieu. Ok, bien joué, ouais. Merci. Ouais, bien joué. Arrête de te... hein. Encore. Oh. Ok, on fait ça. Oh, pardon. J'arrive. Fais quelque chose, allez! Viens m'aider! Fais quelque chose, allez! Mon dieu! Le machin, il est pas mort! Content de te revoir, le héros! J'ai besoin d'un coup de main! Oh là là, la merde! Ok, nickel. Oh la vache, méga vénère quand même. On a encore ça. On a plus de mines, donc il faudrait faire des mines et des carreaux. Je sais pas si on peut. Je crois. Léon, par ici, vite! On peut récupérer tous les objets qu'il y avait par terre, par contre. Non. Eh ben. Assez mouvementé ce passage. Très, très violent.
ce passage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ashley, est-ce que c'est la première fois que tu craches du sang comme ça? Tu nous expliques? La tour, le sang, c'est dû à quelque chose qu'on appelle Plaga. Ok, t'as vu ces gens, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes, eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, le parasite, la plaga, il est encore possible de l'extraire par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire et aussi le bon matériel. Quoi, toi aussi? Vous en faites pas. Louis a un plan. Mais va falloir me faire confiance. Il est sympa, Louis. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Pas de temps pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Il est sympa, ouais, Louis, comme personnage. Ils l'ont changé, c'est quasiment plus du tout la même personnalité, honnêtement. Si je me rappelle bien. Mais honnêtement, ouais, c'est cool. Ah ben putain, c'était chaud. On est mort deux fois au final. Ça va en fait. Hein. On est mort deux fois. Hein. C'est pas dramatique non plus. Mais ouais, le combat de la fin là. Il fallait. Ouais, les carreaux explosifs, ça aide parce que ça one-shot les normaux. Le pistolet qu'on a là. Même si, bon, il tire pas. Enfin, il fait pas aussi autant de dégâts que le 9 là. Le, je sais pas quoi, Red 9 là. Je dirais que c'est bien parce qu'il tire vite. Il y a un grand chargeur et tout, il recharge très vite aussi. On avait très peu de munitions de fusil à pompe, ça c'était un problème. Ça c'était un gros problème de pas avoir assez de munitions de fusil à pompe. Ah, on l'a bien senti là le problème. Mais ouais, fais voir un peu ce qu'il nous reste. Après ça va, honnêtement, pour être franc, on est très très bien sorti. On a encore quelques carreaux, bah si on avait fait des carreaux de toute façon avec des explosifs, on a encore des grandes ferrailles. On a beaucoup de munitions pistolets, donc ça va. Ouais, non, ça va au final, on s'en est très bien tiré. Ouais, je vais pas dire le contraire. Ouais, on va s'arrêter là. Ce sera en plus en fin de chapitre, c'est cool. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.